Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, déjà jeudi, salut à toi Haribo, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est jeudi et jeudi, ça veut dire ici Lab as Code. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, l'idée, c'est de faire un labo de machines virtuelles en infrastructure as code. C'est-à-dire qu'au lieu de lancer nos machines virtuelles à la main, faire nos réseaux virtuels à la main, on fait du code pour pouvoir tout déployer de façon automatisée. Alors, il fait assez chaud, j'espère que pour vous ça va. Comme d'habitude, pensez à vous hydrater, hein. C'est de l'eau dedans. Hein. Bien, 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 bien. Pop, 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 pom. Alors, moi normalement, je suis prêt, j'espère que vous aussi. Je suis un peu d'humeur à vouloir rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pour être honnête. Pour une raison très simple, c'est que la dernière fois, j'ai un peu manqué à mes obligations de commit. C'est-à-dire que, idéalement, quand on fait du code, on le met dans un dépôt de code source. Et ce dépôt de code source, eh ben, on pense à le mettre à jour. Ça, c'est dans le cas idéal. La dernière fois, bon, il se trouve que le jeudi, j'essaye toujours de terminer à 22h pile poil, parce que bah, vous connaissez la rengaine, demain il y a l'école, ce genre de choses-là, quoi. Et c'est pas encore les vacances pour Another Homepage. Donc ben, généralement, le jeudi soir, je plie bagage assez vite fait après le stream. Genre, je lance les extinctions à fond. D'ailleurs, la blague, c'est que je sais plus si c'était jeudi ou dimanche dernier. J'ai voulu éteindre Marvin, la machine qui justement héberge le lab. Et la machine s'est jamais éteinte. Marvin ne s'est jamais éteint. Enfin, jamais. Je veux dire par là que je me suis rendu compte qu'il s'était pas éteint le lendemain. Donc, il a tourné à vide pendant 24 heures. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il bloquait. Il avait l'air d'y avoir un truc, je sais pas, peut-être un point de montage qu'il voulait pas ou une connerie du genre. Les voies de système D sont impénétrables, dirons-nous. Toujours est-il que voilà, je me suis rendu compte seulement le lendemain que. En fait, c'est en revenant du boulot, je regarde la machine parce que, en fait, étant donné qu'il fait chaud en ce moment, j'ai retiré la, comment dire, la façade qui normalement est censée. Est censée retirer, enfin comment dire, elle est sans, c'est une façade qui est faite pour mince, pour insonoriser. Bon, là en ce moment de toute façon il y a le ventilateur derrière, je sais pas si vous l'entendez le ventilateur du salon, mais voilà. Donc bon, moi j'ai le casque dans les oreilles, normalement le micro est directif, donc le ventilateur du Home Lab vous devriez pas l'entendre, enfin les ventilateurs. Donc je l'ouvre pour que la machine ait un peu plus d'air que d'habitude. Et il se trouve que du coup, on voit un peu des lumières à travers la grille, on va dire, le filtre. On voit un petit peu des lumières. En particulier, les lumières rouges de la carte graphique, qui par défaut s'allument en rouge. Je préférerais qu'elles ne s'allument pas, mais par défaut, elles s'allument en rouge. Et du coup, le lendemain soir, je regarde la machine, je me dis, mais elle est allumée? Mais pourquoi elle est allumée? Et du coup, j'essaie de me connecter à la machine, SSH je réponds pas. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me connecte sur l'interface web d'administration, l'IPMI, puisque c'est une machine qui a une carte d'accès à distance, utilisant le protocole entre autres IPMI, mais l'interface web. Et puis là, j'affiche la console locale dans l'interface web et le truc est en mode oh, j'attends encore un truc qui s'arrête. Bon, bah. Power off. Voilà, tu t'es arrêté. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Bien. Donc ça, c'était la petite blague, histoire de commencer tranquillement le live. Bon, donc je disais, on va commencer par déjà... commiter le code de la dernière fois. Alors, on va passer comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis directement connecté sur une des machines du lab. Et voilà à peu près tout ce qui a été modifié. Bon,
Alors, ce que je vais faire, parce que là je suis sur la machine qui est censée donc déployer toute la partie Ansible, je vais récupérer ça sur ma machine locale, ma machine de stream, et puis on va pouvoir ensuite, faire des petits messages de commit un peu, comment dire, un peu propres. On va espérer. Donc, si je me connecte directement. Si je fais ISP1, ISP1 VPS1 comme tout à l'heure, ça le fait. Ok. Donc, ensuite, ce que je peux faire, c'est faire un petit rsync. Ah, il risque de pas aimer. Alors, rsync, on va faire un petit moins VP, moins stats, moins progress. Et on va juste récupérer dans un premier temps le fichier Ansible. Donc, on va dire ISP1. VPS1, deux points. Alors, je suis dans hop, ce répertoire-là. Et je vais récupérer ça. Parce que oui, on avait modifié la conf Ansible. Hey, salut à toi, Xavier. Merci beaucoup. Merci infiniment, Xavier. Ça fait 9 mois que tu te subs religieusement tous les mois. Je te remercie du fond du cœur, Xavier. Ça me touche énormément à chaque fois que tu resubs. Merci. Et puis petit cœur quand même. J'en profite pour signaler que, bien entendu, le sub vous permet de récupérer. Alors, les points de chaîne le permettent aussi, mais le sub permet d'avoir plus vite les petits emojis moutons. Alors, donc, point slash Ansible, hop. Et en parlant de moutons et d'animaux, justement, on va faire un petit guide diff du coup. Et on peut voir qu'en fait. Pop, 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 un petit... Ah non, c'était le logpass qu'on avait modifié. On avait déjà mis le conseil à. On a déjà dit le pas de conseil. grep-i conseil. Ou go, tout court. Dans Ansible. Ansible.cfg et on a dit pop, 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 no cause égale true. Ok, donc on l'avait déjà mis en mode soit un minimum sérieux, ça nous. Donc en gros, on avait juste rajouté un chemin de log. Hop, alors. Hop, voilà. Salut à toi, The Bidouilleur. Tu passes en coup de vent? Bah écoute, c'est déjà pas mal de passer en coup de vent. Merci à toi. Le programme. Alors, le programme, c'est le lab as code. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai même pas montré le schéma. Le bon vieux lab as code. Je sais pas si tu es déjà passé un jeudi, The Bidouilleur. Mais voilà, on continue mon petit labo de machine virtuelle sur un hyperviseur libvirt avec donc de la simulation. D'opérateurs avec derrière des services entre guillemets publics pour simuler Internet. Donc j'en profite pour commiter ce que j'ai pas commité la semaine dernière et ce que je pense c'est que bah on va peut-être soit continuer les services soit puisqu'on avait vu un petit souci avec les DNS quand ils démarrent et je les ai redémarrés juste avant le stream parce que j'avais démarré les VM avant le stream. Peut-être qu'on essaiera de voir sur les machines DNS comment résoudre ce petit souci pour qu'au démarrage elles aient pas besoin d'un restart du DNS mask. Voilà le programme de ce soir. Et tout est terraformisé en plus. Ah mais oui, tout est terraformisé, bien sûr. Terraformisé, cloud initisé, ansibleisé. La preuve, d'ailleurs, c'est très bien que tu poses la question, The Bidouilleur, parce que moi, ça me permet d'enchaîner en vous disant que ça. Alors, hop, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça me permet de vous rappeler que tous les codes ou presque que je produis sont sous licence libre et sont disponibles publiquement.
Et comme ils sont disponibles publiquement, eh ben je peux vous filer le lien. Bon, je le remettrai pas dans les liens du live de ma chaîne Discord, enfin de mon serveur Discord, qui se trouve là. Et dont vous pouvez d'ailleurs avoir l'adresse en faisant point d'exclamation socials. Où vous allez d'ailleurs retrouver tous mes réseaux sociaux, dont ma page GitHub. Ce qui me fait penser que je pense quand même à Manon, hein, faudra que je travaille un petit peu plus cette histoire de mirrorer tout ça sur GitLab.com aussi. Salut à toi, The Tourist. Donc on va voir... Tu regarderas la rediff, pas de soucis, profite. La rediff, elle est faite pour ça. Bien, donc, moi déjà, j'ai... hop, peut-être git push, comme ça au moins c'est fait. Voilà, up to date. Ah oui, j'avais déjà git push. Ok, je suis en pleine forme ce soir. C'est possible de git un repo sur deux emplacements. Bah, dans l'absolu, je pense que comme tu peux gérer plusieurs remotes dans un repo git, tu peux très bien push sur un remote et push sur un deuxième. Après, est-ce que tu peux push sur deux remotes à la fois? En toute sincérité, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Par contre, je sais qu'il est possible, mais je me demande si c'est pas uniquement dans les offres payantes, que GitLab mirror automatiquement un repo Git distant. Et qu'il le fasse dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il récupère des mises à jour venant d'un repo Git distant, ou que toutes les mises à jour qu'il a, il les pousse sur un repo distant. Hop là. Bien, alors, celui-là, c'est fait. Ensuite, on avait la partie base de mémoire. Aussi. Alors, c'est assez marrant. J'ai quoi là-dedans? J'ai pas un... Alors, The Tourist, un repo qui est sur GitHub est déjà à deux emplacements. Sinon, deux remotes, ça se fait, mais il y en a qu'un qui est considéré comme le vrai dépôt distant par Git. Ok. Pourquoi pas, hein. Alors, quand tu dis un repo qui est sur Git est déjà à deux emplacements, c'est-à-dire que c'est parce que tu penses au fait que c'est sur mon poste et sur les serveurs de GitHub, ou tu penses au fait qu'ils font des... comment dire, qu'ils ont des backups, entre guillemets, chez GitHub. Ce qui est fort probable, hein, ne serait-ce qu'en termes de disaster recovery, mais en gros, l'idée, c'est pas de... Oui, sur ta machine et sur GitHub, les deux. Alors, en fait, la raison pour laquelle je veux avoir un mirror sur GitLab, c'est parce que c'est une demande justement de la part de Manon, parce que je crois que Manon n'a pas de compte sur GitHub et ne veut pas en avoir. Pour des raisons qui sont parfaitement compréhensibles. Petit rappel, GitHub appartient à Microsoft. La raison pour laquelle moi je garde mes codes sources principalement sur GitHub, c'est parce que c'est la plateforme la plus connue et celle sur laquelle, pour d'autres raisons, j'y ai déjà des codes sources. Donc à partir de là, ce que je peux faire aussi, enfin l'une des raisons que je trouve assez valable, c'est de dire GitHub est un service que je paye ou pas, par exemple, pour une partie de GitHub, ce que je ne fais pas à ce jour, mais ça reste un service, je dépends d'un tiers, peu importe à qui appartient ce tiers, hein, ça peut être Microsoft, ça peut être Amazon, ça peut être peu importe le nom de la société derrière, rien n'est éternel. Et même si, effectivement, j'ai une copie locale de mon dépôt, le jour où ce service ferme, je veux pouvoir facilement migrer à un autre service. Donc, en ayant déjà un mirror sur GitLab, ça pourrait être plus facile. Après, je prends GitLab, mais ça pourrait être aussi Bitbucket, ça pourrait être SourceForge. Ah, la grande époque où c'était SourceForge, the place to be. Ok, je crois que là, je suis en train de sonner comme un vieux con. Hein. Oups. Je vous jure, il n'y a que de l'eau dedans. Il n'y a que de l'eau.
Alors Xavier qui dit, je crois que Cocadmin fait une formation sur GitLab, j'ai entendu dire qu'elle était à moins 50%. Ah, ça pourrait être une idée, tiens, que j'aille voir ça. Xavier, éventuellement, si tu veux m'envoyer le lien en privé, pour éviter de faire de la pub éhontée ici. Tant que ça fait... Ouais, Source... Ah bah, visiblement, The Tourist, tu connais aussi SourceForge. J'ai l'impression que c'est vraiment tombé dans l'oubli, SourceForge. Ah, Xavier qui s'en rappelle aussi. On trouve encore beaucoup de trucs. Oui, bah j'imagine qu'il y a des projets qui sont historiquement sur SourceForge et qui y sont restés. Mais j'ai l'impression que SourceForge s'est fait... comment dire, s'est fait balader de propriétaire en propriétaire pour essayer de rendre la chose rentable et que ça n'a jamais été un gros une grosse réussite. Jasper Server. C'est quoi ça, The Tourist? Alors, où est-ce que j'en suis là? Ansible. J'avais pas un repo dans les rôles, j'avais pas un repo base. Rôle. Ah, si, j'ai un repo base. Ah, j'ai pas la commande tri. Allez. On est en début de stream. Hop là. Un serveur de génération de rapports. De rapports, c'est-à-dire. Des rapports de quoi? Des rapports de stage? des rapports d'incidents? Des rapports de modification de code source? De... En tout cas, les binaires de la version communautaire est sur SourceForge. Ah, ok. Allez, hop, installe-moi la commande tree, parce que c'est quand même bien pratique. Ok, qu'est-ce que j'ai dans... Alors, main.yaml, il doit être vide si ça se trouve. Ah, c'est files, hop là. Donc, celui-là, il est vide, j'imagine que handler aussi. Ok. Bon, alors ce que je vais faire, c'est... je vais récupérer toute la partie Ansible en fait. Je vais pas me casser la tête. On va faire un rsync de tout ce qui est Ansible. Hop, voilà. Donc là, normalement, si je fais un git status et que je fais un petit git add Ansible roles base. On va dire slash étoile et Ansible base.yaml. Hop. Voilà. Git commit moins m Ansible create common base for each server. Hop. Et je push. Ensuite, le Galaxy Token, je pense pas que ce soit un truc... ouais, c'est vide. Nginx... Ah oui, alors les rôles. Les rôles, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Parce que je me vois mal committer les... je me vois mal committer les trucs. Alors... Et git commit moins m, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben, Ansible déjà, et on va dire create web server demo web server role. Alors idéalement, je pense que pour les rôles là comme ça ici, faudrait que je fasse mince. Faudrait soit que je dise au niveau du Galaxy de les stocker ailleurs, soit que je fasse des modules Git. Si je fais Galaxy, hop,
Alors, ce répertoire qui stocke les... Ok, donc le Galaxy Cache. Ça m'a l'air d'être une bonne idée de l'activer comme ça. Et le Galaxy Token, pareil, comme ça, il sera pas dans le repo. Et Collection Pass. Alors déjà, ça, je pense que si... Si je fais ça, en toute logique, on va me dire Ansible, ou cache dire un token pass out of the repo. Voilà, comme ça on est bien. Et ce que je peux faire, c'est faire un petit rm-rf de ça et de ça. Voilà. On va commiter ça à la barbare. Ah non, celui-là, on va même le, on va le dégager en fait. C'était juste un truc à la con. Hop. Donc à la limite, je peux même l'enlever ici. Voilà. Ensuite, où en sommes-nous? Faut que je trouve un moyen de dire au fait ça. Ça dégage. Ça n'a rien à faire dans, dans le repo. Alors, il y a un collection pass. Ça pourrait être une idée. Puisqu'a priori, à la base, je voulais installer la collection Nginx. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, j'ai installé Nginx config. Si je viens ici. Et que je fais Ansible Nginx Inc. Collection. Hop, la galaxie, hop là. Nginx Core, ok, et ça installe Nginx. Si jamais je fais ça, et que je le fais... Que je le fais ici. Il va faire quoi? Il va récupérer la collection et il l'installe dans mon point Ansible. Ok. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je peux, via Ansible, gérer les collections? Si vous voyez ce que je veux dire. Using collections. Use. Alors. Ah, on a un fichier de requirements. Et ensuite, comment on l'appelle? Ah, d'accord. Ok. Mais c'est super simple ça. C'est génial ça. Allons-y. On va faire ça tout de suite. Et on va le faire ici. Alors du coup, j'ai pas besoin de modifier ça. Par contre.
Bon, pour le moment, a priori, on a juste besoin de ça. Hop là. Donc, my namespace, my collection. Et ce que je voulais, c'était... Hop là, c'était celui-là. Voilà. Je vais peut-être faire un message un petit peu plus... un petit peu plus... Salut Xavier, encore merci d'être passé, c'est très gentil. Alors... this will void messing up with git sub modules. Donc là, en toute logique, je peux effacer ça. Je peux effacer ça. Là, sur ma machine, le repo est propre. Ici, par contre, c'est un petit peu le bazar. Comme a priori, j'ai assez confiance dans tout ce qui a été fait, je peux faire un git reset -hard. Hop, suivi d'un git pull -r. Hop là. Ah, il y a des erreurs. Untracked file. Voilà. Voilà. Donc on avait fait un install. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est, d'après la documentation, si je comprends bien, il y a juste à faire un petit Ansible Galaxy install -r requirements.yaml. Hop. Il n'existe pas, c'est normal. Hop. En toute logique. Voilà. C'est fait. Voilà, parfait. Nickel. Génial. Là, je suis assez content. Pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite, et ben c'est continuer dans notre lancée peut-être. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est revenir sur hop, ce navigateur-là. Et on va aller dans les préférences, enfin les paramètres. On va aller rechercher à nouveau les trucs de proxy. Hop. On va lui dire, au fait, on veut un proxy, ça c'est bon. Hop. Et normalement, si je fais un http 2.//, on a dit isp3vps1.example.com. Il me dit que la connexion a échoué. Alors, je pense que la raison est relativement simple. Comment ça, on n'a pas le rôle ? Ah !
Ah, fichtre. Oui, j'installe la collection, mais... Ah oui, mais en fait, j'ai indiqué que je voulais un jeu qui dépendait d'un rôle, en fait. Salut à toi, Fred. Merci. Bah, que la force du libre soit avec toi aussi. Donc ça, on est bon. Donc ça doit être effectivement dans rôle. Hop, le main.yaml. Et le main.yaml, il dit import rôle. Il dit import rôle. Il le dit... Oups. Il le dit ici. Du coup, la question c'est est-ce que je peux... est-ce que je peux... est-ce que je peux faire import collections? Alors, using collections in a playbook. Voilà. Ah, faut bien que j'indique mynamespace.mycollection.role1. D'accord. Donc, en gros... En gros, il faut que je fasse... Si je prends ici, vu que j'ai fait Nginx, Nginx Core... C'est bien censé contenir... Ah. Ouais, ce serait Nginx et Nginx config en fait que je voulais. Ouais, mais pourtant c'est bien ça du coup les... Si jamais je fais... Hop. Si je vais ici, que je lui dis Nginx, alors on a dit Nginx config et Nginx tout court. Et que je refais un... Alors... C'est pas des collections ça du coup? C'est des rôles directs. Développement, install, Nginx, open source, ouais, ok. D'accord, donc a priori, je me suis peut-être un peu emballé. Si, pourtant, le contenu. Nginx config et Nginx. Donc en fait, j'étais bon. Non plus. Ah oui, c'est... Non. J'ai comme un doute. Non, il... Si. Hop. Non, il le veut pas. Bon. De toute façon, c'était ça la modif. Hop. Donc en théorie, si je comprends bien. Ah zut, on a un répertoire collections. La partie Nginx. Ah!
Bon, il faudra que je vois ça. Pour éviter que ce soit dans le... Un rôle, hop, on a dit handler. Ah non, task. Main, ok. Et donc là, en gros, il faudrait que je fasse nginx inc nginx core.nginx. Et là, c'est pareil. Ah, bah voilà. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, normalement, il est censé avoir déjà les dépendances logicielles, hein. Je sais pas qu'est-ce qui prend son temps. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait jouer avec SE Linux en plus la dernière fois. Ah oui, puis il skip tout ce qui est... Salut Gizmo! Ouais, ça c'est le hardware de la machine de stream. Ok, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc maintenant, si je reviens sur cette page, enfin, sur ce navigateur là, et que j'essaye nouveau ici. Alors non, pas en HTTPS, on n'y est toujours pas. Sérieux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a pas fait? On n'a pas dit dans le playbook qu'il fallait lancer le truc? On n'a peut-être pas dit qu'il fallait lancer le truc, en fait. C'est ça, hein? Ouais, on lui a pas dit. Donc, eh ben, SSH ISP3VPS1. .example.com. Hop. Oui, bah écoute, déjà, si tu fais point d'exclamation Homelab, tu vas voir le GPU qu'il y a dans le serveur de Virtu. Hop, non, on a fait le SSH du coup. Sudo systemctl restart nginx failed. Ah. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en permission denied. Route, route. Hop. Ok, cette fois-ci c'est bon. C'est quel fichier? SRV32 access log. Ça c'est ennuyeux. Ça c'est ennuyeux. Et c'est censé être quel de droit là-dessus. Bah 4x4 ça fait 16 gigas. Ça me semble suffisant. Et encore quelque part c'est une régression parce que la machine que j'avais avant. C'était pas 16, c'était 24. Parce que j'avais 6 fois 4. Pourtant, route-route aussi. Ah, 16 000! 16 000! Ah oui, c'est 1600, effectivement. Effectivement. Attends, je modifie ça. Pop-pop-pop-pom. Si je me rappelle où est-ce que ça se modifie. Merci pour le follow, Luapage. Merci beaucoup. Oui, Gizmo, effectivement, c'est la fréquence que je voulais indiquer. Alors, attention, je vais même. J'ai gardé la boîte du kit de mémoire. D'ailleurs, dedans, il y a des vieilles barrettes de RAM. Il y a écrit quoi? Il y a écrit 1600, effectivement.
Il écrit 1600. Donc ça, c'est un kit de 2x4. 1600. Hop. Allons-y. Où est-ce que je modifie ça? Je sais pas si les barrettes de RAM sont. Alors, je t'avoue que maintenant que tu me poses la question, je suis pas sûr. Mais normalement, la carte mère est compatible XMP Gizmo. Je sais plus si je l'avais activé. Je crois que je l'avais activé justement. Parce que quand j'avais récupéré cette carte mère, il y avait déjà 16 Go de RAM. Mais il y avait deux kits de 8 Go différents. Et du coup, j'arrivais pas à activer XMP. Du coup, j'ai pris les barrettes de RAM. J'ai pris 4 des 6 barrettes de RAM de l'ancienne machine. En me disant, j'ai 4 barrettes identiques et je vais essayer d'activer XMP. Normalement, j'ai réussi. Mais maintenant, tu me colles le doute, Gizmo. Lua-page, tu as découvert ma chaîne YouTube et mon stream grâce à la VOD sur Cloud Init. Bah, ça c'est cool. C'était vraiment top. Oh bah, merci, merci. C'est même si c'était galère, trop bien de voir du debug sur ce genre de sujet. Bravo et merci. Bah, merci à toi. Surtout si t'as regardé la VOD sur Cloud Init. Si t'as regardé les 2 heures, t'es. Enfin, pas les 2 heures, si. J'ai fait combien de temps sur Cloud Init? Je sais même plus. C'était il y a déjà un petit moment. Mais écoute, à ton service, Louapage, et puis bienvenue à nouveau dans le coin. Hein. 3 vidéos de 2 heures, oh là là, bah dis donc, t'es motivé. Merci, hein, merci. Où est-ce que je voulais. Si, je voulais à la base modifier dans les settings. Non, c'est dans Streamlabs ça que je le modifie. C'est dans Streamlabs. Widget. Est-ce que ça serait pas dans le chatbot? Alors, commande, ouais. Alors, Home Lab, hardware, hop, on édite et on enlève le petit zéro en trop. Mais normalement, c'est des mégahertz. En tout cas, maintenant, ils ont changé. Je crois qu'ils appellent ça des méga transferts par seconde sur les dernières barrettes de RAM. Voilà, c'est bon, Gizmo, la commande est mise à jour. Et on va pouvoir reprendre. Là où j'en étais resté sur notre petite histoire de log. Alors déjà d'une, est-ce que maintenant que Nginx se lance correctement, est-ce que si je fais en HTTP, ça passe? Oui, ça passe. Ça passe. Bah, merci Gizmo. Ok, alors. Alors, je crois que j'ai pas fait de handler, effectivement. Alors, attends, j'en étais resté où, moi? En fait, il y a tout ça. Donc là, pour l'instant, tout ça, c'est de la conf. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est à la fin, s'assurer que Nginx redémarre proprement. Donc. Si je reviens ici. Et de mémoire, je sais qu'on peut s'assurer qu'un truc est redémarré avec les handlers dans Ansible. C'est juste que je suis rouillé. Hop, running operations on change. Voilà. Donc je peux rajouter un handler en mode name. Hop, bon, enfin, on va faire exactement la même. Mais je me demande s'il n'y aurait pas déjà un truc dans.
Peut-être pas dans Nginx config, mais dans Nginx tout court. Notify puis handler. Yes. Ok. Loi page. Je te fais confiance. Ah zut, c'est pas ça que je voulais. Hop. Ça, c'est la collection. Nginx config et Nginx tout court. Ok. Readme. Hop là. Alors. In collection. Ok. Installation. Jusque là. Jusque là, tout va bien. Bon, les plateformes. Ok. Faudrait que je vois ce que c'est. Tiens, l'agent Amplify. Je sais pas ce que ça fait. Est-ce qu'il y aurait pas des trucs qui sont déjà, parce que voilà, il y a des trucs systemd configuration variable, donc si ça se trouve il y a peut-être même pas besoin de spécifier un handler, et si ça se trouve il est déjà géré, si vous voyez ce que je veux dire. Example playbook default. Salut à toi MyDoomFR. Il dit quoi là? Pre-task setter repo. Ah oui, non, ça c'est carrément le code. Ah oui, molécule. Donc, si, normalement, c'est bien ça pour tester. Task installer Nginx. Ouais. Donc, il fait log rotate. Ouais, ok, cool. Module converge install various supporting module plus et source. Ok. Module converge, ça donne quoi? Ok. Common, il y a peut-être des choses dans common et dans default. Dockerfile, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Default, il y a quoi là-dedans? Alors, set repo if alpine, ouais. Ouais, donc ça c'est celui qu'on avait vu. Le molécule.yaml, je suppose que c'est pour... voilà, pour tester tout ça. Et le verify. Il check si les trucs sont running. Ok. Ok. Plus source uninstall, upgrade. Ouais, bon. Donc, il y a pas de... donc, il faudrait peut-être que je fasse quand même mon... mon handler. Alors... et donc, c'est à la fin où on fait un notify et on dit restart in Nginx, par exemple. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ici, là, à la fin de la config, alors, faut le mettre où? Au même niveau que le name. Oula. Et donc... hop, on le met au même niveau. Et on, au lieu de dire name, on dit notify. Hop, notify. Et on lui dit restart. Restart. Nginx. Ensuite, hop, au lieu d'aller dans task, on va dans handlers. Et là, hop, bon, ça c'est peut-être un peu abusé, hop, alors je sais que c'est pas très bien indenté, mais on va justement s'en occuper, donc, hop, voilà. Donc là, en toute logique, si je relance le BNew, il est censé me faire un restart de Nginx à la fin.
squatter. Ah oui, je suis pas dans le... J'aurais pas osé faire ça par hasard. VI, roll... Si, j'ai osé. J'ai osé, je me suis trompé de fenêtre. Ok. ouais, Louapage. Je gère fantastiquement bien, là. Alors, SRV... Ah ouais, là, je suis sur ISP3 VPS1. C'est pour ça. Alors, hop. Example.com. Voilà. Donc là, ici, est-ce que j'ai des modifs? J'ai juste un truc ici. Ok, bah je vais faire les modifs aussi, tiens. Hop. C'est dans lequel le fichier? Dans celui-ci. Donc, voilà. Oups, je me suis trompé. Voilà. Donc, j'ai oublié un truc. Ah non, tiens, j'étais pas obligé de... Hop. A priori, ça, j'en ai pas besoin. Hop là. Et... Hop, ça aussi, on va l'ajouter. A priori, au vu de la modif, hop. Voilà. Alors ici. Hop. Alors, donc déjà j'ai eu une erreur. Ouais, c'est ça, j'aurais peut-être dû faire. Hop, je pense que c'est. Ça doit être ça qui me pose problème. Voilà. Hop. Donc là, a priori, c'est bon. A priori, on est pas mal. Mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai... Est-ce que j'aurais pas oublié le Notify?
Ouais, je suis pas sûr que le handler ait tourné, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Les grands esprits se rencontrent. Est-ce que... Il y a écrit Notify Restart Nginx ici. Il a dû... Pourtant, il a un changement. Alors, soit il est parti du principe que tout était déjà fait. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, hein, on va pas s'embêter, hein. CTL stop Nginx. Conf.d flûte vim. Ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc genre hop, YOLO. Voilà. Donc ça, normalement, ça va faire changer la conf. Et c'est reparti. Donc là, déjà. Est-ce que ça va tourner? Roulement de tambour. Alors, il a fail. Ah. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc déjà, le handler, il a tourné. Hop, c'est pas ici. C'est là. Et... alors en gros, il dit, eh, au fait, journal... Allez, hop, on va regarder celui-là. Fail to start. Ouais, c'est encore le access.log en permission denied. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il ait changé de droit, quoi. C'est ça qui est chelou. Ah, tu crois que ce n'est pas mon handler qui a tourné? Non, effectivement. Effectivement, c'est les handlers de... Donc en fait, j'en avais même pas besoin du handler. J'en avais pas besoin. Comment... Alors bon, le handler c'est une chose. À la limite, ça veut dire que j'en ai pas besoin. Je pourrais toujours faire le nettoyage. Retirer le fichier et dire on n'en a pas besoin. Par contre, cette histoire de Nginx qui veut pas se relancer.
Donc déjà, slash SRV. Ouais. 3W. Bon, ok, il peut le traverser. ISP3VPS1. Ok, il peut le traverser. Alors, à moins qu'il manque un truc au niveau des droits de la partie SE Linux, mais... Ah, c'est pas con, ça, tiens. Donc, a priori, j'ai un utilisateur Nginx. Et user Nginx. Par contre, ce que je trouve assez amusant, c'est que si tu vas dans varlog Nginx, qui est le répertoire par défaut des logs, et il a quand même l'access et l'error log de tout ce qui est par défaut. Je dirais même... Ah oui, c'est Nginx root. Effectivement, c'est Nginx root. Et moi, c'est root root, le truc. C'est root root. Donc effectivement, bah, il ne peut pas écrire dedans. Mais ce qui est marrant, c'est que si je le supprime et que je relance le truc, il va me dire « Ok, je me lance. » Là, tu vois, si jamais je fais un rm-vf de l'access log... Donc il a disparu. Et ouais, c'est peut-être le truc de log où il faudrait que je lui dise au fait en termes de droit. En termes de droit. Je suis curieux de. Je me demande. H43. Non, mais c'est ça, 18h43. Alors, pour rappel, hein, mes machines sont en UTC. Mais pour le coup, c'est qu'ils datent de la fois précédente. Donc là, je l'ai effacé. Si je relance Nginx, tu vois, il passe. Et si je regarde à nouveau dans le répertoire de log, tu vois, il a bien fait root root. Donc il arrive à créer le fichier. Et si jamais je restart... Ok, il est ok. Bizarre cette affaire. Est-ce que je peux re... Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Il est ici. Hop. Donc là maintenant il y a des trucs. On peut voir que donc j'ai affiché. Et si je restart... Non, il passe. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'il passe. Et si jamais je relance... Pourquoi au premier start, avec tout son bazar, il ne le lance... Enfin, il le... Parce qu'après, je peux très bien faire un touch. Faire un stop start. Ah oui, c'est pas con, c'est un stop start. Ouais, il passe. C'est chelou cette affaire. Ben, en fait, j'ai l'impression que ça n'arrive que quand je relance... c'est seulement quand je relance suite à un déploiement via Ansible. Alors, je sais pas qu'est-ce que je peux avoir dans le DMESG, j'ai pas grand chose. Var log nginx error.log open permission denied.
est-ce que les ACL SE Linux ont changé depuis la fois d'avant? En théorie, si je fais un laisse-moi HLZ SRV 3W. Là, j'ai un HTTP 6 content. Pourquoi j'ai un répertoire repo là-dedans? Ah, ok. Donc ça, c'est bon. Si je regarde var log grep nginx, le seul truc que je vois, c'est que. Alors pourtant, le répertoire nginx dans var log il appartient bien à root root. Il est même DRWXX, même pas RX. Et là. Là par contre c'est Nginx qui possède le fichier. Mais avant c'était root. Je suis confus. Je suis complètement confus. Est-ce qu'il y aurait des trucs pour configurer les logs au niveau de... Je crois qu'il y en a. Hein. Est-ce que les fichiers sont créés par un script? Ben, Haribo, c'est une excellente question. Donc le log dir allow nginx to write files to write log files. Donc ça c'était pour SE Linux. Il applique le restore con. Et en fait. Là, il y a au niveau de la config, au niveau de la config du VHost, il lui dit où est l'access log. Mais il lui dit pas de créer le... Enfin, normalement, il crée le fichier au restart. Ce que je suis tenté de vous proposer, parce qu'après tout, il est que 21h08, donc on a encore une heure, c'est que je désingle la VM... et que je la réinstalle. C'est un coup de Terraform, et après un coup d'Ansible. Enfin, un coup de Terraform, et un SSH keygen moins grand R, et puis un coup d'Ansible. Normalement, c'est 10 minutes. Famous last words. Je pense que je vais faire ça. Hop. Alors. Ça par contre, je vais pas le faire en ligne de commande, la destruction de la VM. Donc on a dit ISP3 VPS1. ISP3 VPS1, elle est donc shut off. Je la delete. Hop. Voilà, RIP. Voilà, elle répond pas. Je viens ici. Je vais en Terraform. Maïdoumfr qui pense que c'est normal, c'est le comportement Nginx de créer en root root les logs même si le process tourne en user Nginx. Bah, de toute façon, je suspecte que Nginx tourne en root root le temps de se bind sur le port 80 pour ensuite passer en user Nginx.
Enfin, j'aurais tendance à dire, tu as un process master qui tourne en route-route, et tu as tous les autres process, je devrais dire même les threads, qui passent en utilisateur Nginx. On pourra vérifier ça d'ailleurs. Donc là, en toute logique, ce que Terraform me dit, c'est... Hop. Oui, ils m'ont dit des choses. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire des trucs sur le ISP1, VPS1. Sur le Cloud Init. Ah. Alors, si c'est que le Cloud Init, ça me dérange pas. Destroy and then create replacement. Oh, une private key. Oui, Maïdou m'affaire. Il y a une private key qui traîne. Hop, la voilà, la private key. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs qu'à l'occasion je fasse un truc pour la générer plutôt que de la... Ah, Ribo, ça dépend du système, tu viens de regarder... Oui, sur une Debian, oui, effectivement, c'est pas pareil. Maïdoum, je sais plus si t'étais là quand je l'avais dit ou quand je l'avais généré, mais je l'utilise nulle part ailleurs, cette private key. Hein. Elle est juste là pour le lab. Donc, il n'y a pas de risque. Enfin, sauf si je me mets à l'utiliser ailleurs, mais normalement, c'est... Ok. A priori, il va juste détruire le disque Cloud Init sur le ISP1 VPS1, donc c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc, allons-y. J'applique. Puis s'il me désingue le VPS, non. Non, il a juste changé le commandinit.iso. Ok. Donc là, ISP3 VPS1, hop, un tout beau tout neuf, qui est en train de démarrer. Donc il va démarrer, il va faire son petit Cloud Init. Une fois qu'il aura terminé, eh bien, on pourra réessayer de déployer Nginx et la petite page statique. Donc là, la machine, elle a fini son démarrage, enfin, elle a fini la première partie de son démarrage initial. Je suis tenté. Alors, je sais que ça va se planter, hein, mais... Hop, il l'a pas encore. Je suis surpris. Console serial. Ok, je suis logué pourtant. Ah, c'est qu'il a pas fini. Ouais, pourtant il y a un SSHD. Oh, allez, affiche-moi un truc. No route to host. Ah, c'est qu'il a pas, il est encore en DHCP. C'est parce qu'il est encore en DHCP et qu'il n'a pas l'IP finale. Ok. Oui, parce que par défaut, les machines, du coup, démarrent la première fois en DHCP. Et je n'ai pas mis en dur les adresses MAC des machines pour pouvoir les mettre sur leur IP définitive. Et à un moment, normalement, voilà, il est censé changer de... Voilà, là il ping. Et là normalement il devrait toujours pas réussir parce que la host key a changé. Voilà. Keygen moins R. Et ça doit être son IP normalement. Hop. Non. Voici je. L'IP à mon avis il a rien dû. Voilà. Et il faut que je lui mette lui. Hop, voilà. Si je fais un stream sur l'automatisation de la génération plus signature avec certificat. Oula. Alors, le certificat HostKey SSH, honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, honnêtement. Pouf. Donc, on a réussi à avoir notre ISP3 VPS1 qui est maintenant up. Maintenant qu'il est up, bah on va vouloir réappliquer. Alors, a priori, hein, si on comprend bien, ça, on n'en a pas besoin.
Donc j'ai plus qu'à lancer mon Ansible Playbook. Et hop, on va vider un peu. Voilà, et c'est parti. Donc, il va se connecter, il va voir qu'il n'y a rien, et il commence à installer les dépendances. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû même lancer base avant, avant Web Server Nginx Demo. Ce que j'aurais même pu faire, c'est créer un clone de la VM ou un snapshot pour pouvoir revenir à l'état d'avant. Donc là, on a toutes les tâches qui viennent de la collection. Hein. Chaque fois qu'il y a écrit Nginx. D'ailleurs, je devrais peut-être faire pareil, moi, quand j'écris mes trucs, à mettre genre another homepage ou AHP quelque chose pour mes rôles. Okay. Il a créé la conf. C'est moi où il me manque un truc là. Alors, j'aurais peut-être dû aussi effacer le fichier de log. Alors. Si je remonte, donc ça c'est la conf qu'il applique, c'est parce que j'ai mis le mode debug, hein. C'est pour ça que le truc est assez verbeux. D'ailleurs, hop, continuer, si je fais un sudo pgrep nginx, ouais il tourne. Route, l'access log. Donc en théorie, alors là, je peux me déco. Hop, en théorie, je peux revenir sur mon Firefox, venir ici et faire CTRL SHIFT R. Voilà, et ça s'affiche. Et là, on a des logs. Ok, c'est cool. Donc, si je remonte. Non, désolé, c'est un peu long. Parce que là, le truc avec les types mimes, dis donc, il est costaud, hein. Alors, ça c'est la conf par défaut. Donc running handler start reload nginx. Changed. Donc a priori, il n'a pas besoin du handler qu'on a fait. Voilà. Là, je vous avoue, je comprends pas. Je vous avoue, je suis un peu perplexe. Et donc, oui, tant qu'à faire. Donc, on a un master process et on a deux worker process. Et si jamais je fais un petit sudo ps aux 3w type grep nginx, on a donc un master process qui tourne en tant que root et on a ensuite deux worker process qui tournent en tant que nginx.
Sur ce rôle, je voulais quand même rajouter encore des choses. Je voulais encore rajouter des choses. Je voulais rajouter. Parce qu'en gros, là, hop, dans le fichier de conf, il a log access. Je me demande s'il n'y a pas un log error. Je vais essayer. Donc. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant je relance mon biniou? Alors forcément, normalement, tout est OK. Voilà, donc il fait soit des OK, soit des skip. Et ensuite, il devrait restart Nginx à la fin. Alors, eh ben non. Visiblement, dict object has no attribute file. Donc c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire. Alors, on va retourner ici. Nginx core, ça c'est la collection. Nginx config readme. Rôle variable. Ah tiens, il a des il a du SE Linux template. Alors, ah, donc ça c'est juste OK. Nginx config et ce Linux. Ah, OK. Donc, par contre, il a pas l'air de pouvoir configurer ce qu'on a fait à nous. Oh, ils ont un. Ils ont, ah oui, c'est vrai que oui, on avait fait joujou avec ce démo, cette démo-là. Config main error log. Donc, ok, ça on le connaît. Et où est-ce qu'il me met un vhost name backend? Si voilà, on a un serveur. On a un serveur. Est-ce qu'à un moment il y a un access log? On l'avait écrit comment? Log dans servers. Donc normalement dans servers. Donc là il n'y a rien. On va faire un petit contrôle F. Log. Hop. Alors error log. Donc là, ça c'est le format, mais ça normalement le format, je crois qu'on utilise le format de base.
Bon. Et là, c'est juste que je configure juste le... Je confirme juste le template du VirtualHost entre guillemets. Donc. Si, log, format, ok, access, pass, error. Ah, c'est error et après c'est file, c'est pas pass. Sauf que c'est au même niveau que. Ok, et level notice. Ok. Donc ça veut dire qu'ici, au lieu de mettre. C'est dommage, du coup, c'est pas consistant. Parce que, a priori... Ici, je dois mettre file, en fait. Ah, je peux mettre tirer espace file. Ouais. Je... Bon, soit. Allez. On va recommencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais slash tmp ansible.log. Hop, voilà. Comme ça, si jamais il y a un souci, on saura qu'il n'y a que ça dedans. Hop, je préfère revenir comme ça. Hop, c'est reparti pour un tour. Alors, donc du coup, il ressaute tous les trucs. Quelque part, c'est l'inconvénient, je veux dire. C'est plutôt bien, en fait, que leur truc soit générique et soit adapté à toutes les distribs. Ou en tout cas, à un certain nombre d'entre elles. Ah, voilà, il a rajouté l'error log. Ok, c'est cool. Et a priori... Hein, j'ai pas fait gaffe s'il l'avait redémarré. Alors si je fais slash reload, en théorie il l'a fait, ouais. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un petit système CTL status, parce que a priori, là il disait qu'il avait démarré 19h16, 19, 3 minutes. Donc en théorie, le nôtre maintenant, il est démarré depuis moins longtemps. Non, 19h16 minutes. Ah, c'est parce qu'il a fait un reload. Il a fait un reload. Merci beaucoup pour le follow, Atman3D. Merci beaucoup à toi. Ah, je suis content. Les follows remarchent. Parce qu'il y en avait un autre, je crois, qui avait fait un follow un peu plus tôt. Ça passait pas. Bizarre. Bon, il l'a reload. Il l'a reload. La question maintenant, c'est est-ce que si je vais dans SRV 3W, ça, et que je vais dans log... Ok, j'ai un access et j'ai un error log. Et maintenant, si je fais un sudo systemctl restart nginx, là, il fail. Voilà, là, il fail. Et il va fail en disant, eh, au fait, j'ai pas les droits. Voilà. Il dit, j'arrive pas à ouvrir l'access log. Alors, Ok, je crois que j'ai compris. En gros, là, l'access log, il est passé en httpd syscontent. Or, il devrait être en httpd log, comme l'error log. Ok. On a trouvé la raison.
en théorie. Handle log directory. Allo Nginx to read files. Donc en gros, il faudrait que là, je lui dise, pour tous les fichiers dans le logdir, étoile.log, je suis pas sûr que ça le fasse. Remarque, je peux lui dire access.log. Voire même, je peux lui dire... Ce serait pas le rôle Nginx qui pèterait les ACL vu qu'on sait qu'il y a un support SE Linux dedans. The Tourist, c'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque. Après, si ça se trouve, moi, le fait que je me rajoute des trucs comme ça... Mais on peut peut-être aller jeter un œil sur comment il gère SE Linux. Mais a priori, la seule chose qu'il a, c'est... Est-ce que je peux tenter de rajouter un Nginx config SE Linux à trou? Je me demande quelle valeur il a par défaut, en fait. Ah bah tiens, setup SE Linux. Est-ce qu'il non, bah non, a priori non. Si je fais un get en force, il me dit normalement end forcing. Voilà. A priori, la confesse Linux ne concerne que la partie port. Donc si ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai mal... Parce que en fait, tu vois, par défaut, je dis au fait, tu passes en HTTP log T. Donc, maintenant, attends, HTTPD6 content. Base, ouais, c'est parce que je le fais partout. Donc en fait, il faudrait que je lui dise ne le fais pas dans tous les répertoires. Ce que je peux potentiellement faire dans ce cas-là, c'est faire autrement. Au lieu de rajouter un truc ici. Ça, j'efface. Hop, voilà. Et donc, ici, la target... Alors, je sais pas si je peux faire hop, 3W base. Alors du coup, comment je lui dis handle. Alors du coup, il faudrait que je dise docroot tmpdir. Alors juste 3W éventuellement 3W base. Ensuite le docroot. Il n'y a pas de problème, The Tourist. À la limite, j'aurais bien aimé que, chez Nginx, ils gèrent aussi ce genre de choses. Pour moi, la collection Nginx, ou en tout cas le rôle Nginx tel qu'il est actuellement sur GitHub, pour moi, il n'est pas complet. Et on rajoute tmpdir.
Hop, et c'est reparti. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il va se gaufrer? J'ai bu un peu trop vite, je m'en suis mis partout. Remarquez, ça rafraîchit. Heureusement, je me fais pas ça en décembre, et c'est que de l'eau. Non. File specification cannot include spaces. Ok. Attends, je vais quand même pas faire trois fois le trois trucs. Il doit. Ah, non. Je sais plus s'il y a des boucles dans Ansible. C'est pareil, hein, honnêtement, là, les créations de. Ouais, loop. Ansible loop. Allez, tiens, on va regarder ça vite off. Alors, comment ça fait les loops? With items, ah bah oui. Name item. Donc, la target. Hop. Ce sera hop. Item. Hop, et ensuite, je peux mettre le mot loop. C'est bizarre, je me rappelais du with item, maintenant qu'on en cause. Est-ce qu'il y en a un qui est déprécié, ou... Ok, je suis un peu surpris pour le coup là avec la documentation. Les with étoiles sont deprecated. Ok, donc il vaut mieux que j'utilise loop. Ok. Eh ben on va utiliser loop. Alors, au niveau de l'indentation, faut le mettre ici. Ok. Et ensuite, eh ben. Ok, allez, c'est reparti pour un tour. Mais avant, je voudrais... 7501, route, follow no. Du coup, là, aussi, je vais peut-être pouvoir les handle document route. Quoique. Ouais, non, je vais éviter. Oh, remarque aussi... Je pourrais peut-être après. Bon, on va voir. Mais donc les weaves sont dépréciés. Ok. Hop. Alors, pendant que ça tourne. Voilà. Toujours le fauteuil qui descend un petit peu pendant les streams. Ok. Là, il le réapplique. Il réapplique le 6 content. 6 content. Attends. J'ai pas l'impression qu'il a touché au log, hein, du coup. Non, il n'y a pas touché. Donc, autoriser Nginx à écrire des fichiers de log dans le logdir. Alors, pourquoi est-ce que... Oh, j'ai envie de refaire un item et de dire logdir et puis access log et error log. Hein.
On va le tenter comme ça. Donc, le logdir. Allons-y, c'est reparti pour un tour. Tiens, j'ai oublié d'effacer le log anti-vol. Mais on va bien voir. Alors. Donc ça, normalement, ça bouge pas. Et voilà. Voilà. Là, ça change. En fait, ce que je suspecte, c'est que comme on fait pas de changement de configuration, Nginx ne se relance pas. Ce que je trouve quand même complètement dingue, parce que là, en théorie, le truc... Enfin... Ok, on est bon. C'est chouette, ça. Ça, c'est super chouette. Bon. Et donc, normalement, si je fais un moins check, ce sont les handlers qui leur démarrent. Donc, si pas de conf... Ouais, bah oui, c'est ça, The Tourist. C'est ça. Alors là, je fais un check pour le principe, pour voir s'il refait des changements. Donc forcément, bah, il a encore 8000 trucs qui va sauter. Allez, 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 mon petit anti-ball. On se dépêche. Voilà, et il n'a rien changé. Tout est ok. Et tant qu'on y est, je voulais, ouais, je voulais faire ça. Alors, et ben là, on va faire pareil. Hein. On va faire un loop. On va mettre docroot, hop. On va mettre logdir, parce que de toute façon les droits sont les mêmes, hop. Et tmpdir. Voilà, et donc normalement, ça dégage. En toute logique, si je fais ça, ça ne devrait rien changer. Je vais même virer d'ailleurs, tiens, ça au passage. J'ai pas de commentaire à la con, non. D'ailleurs, je peux même virer en fait... Ouais, bon, je ferai un autre commit. Allons-y. Il te manque le path item. Oups! Oups! Alors, bien vu. Bien vu, The Tourist. Alors là, franchement... Hop! Voilà. Allez, c'est parti.
J'aurais eu l'air bête, hein. La question que je me pose, cette histoire de loop, hein, parce que je crois qu'à une époque, moi, sur des playbooks perso, j'avais fait, je crois, des boucles imbriquées. Ouais, voilà, t'as des item name et des item group. Ok, donc on peut toujours faire des. C'est facile à voir quand c'est pas toi qui code, mais facile à faire que. Exactement, exactement, The Tourist. C'est exactement ça. C'est. Tu. Ouais. Quand tu. Comme quoi, c'est toujours sympa d'avoir toujours des paires d'yeux supplémentaires. Ok, 20, changer 0, failed 0, skip, ok, nickel. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, ouais, donc les loops, on peut avoir item.name, item.group et on a les trucs. Ok, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. J'avoue, c'est plutôt pas mal là, ce soir, hein. Globalement, ça avance bien. Donc a priori, maintenant, si je vais toujours ici et que je vais sur mon... que je fais quelques refresh et que je tente même un... hop, slash foobar.html. Hop, donc 404 not found, normal. Et si je vais ici et que je regarde... Mon error log, il a des trucs. Et ça, c'est très cool. Voilà. Ah, ça me fait bien plaisir. Ah, bah, de toute façon, d'accord. Il avait déjà des trucs parce que le favicon n'était pas dispo. J'ai pas mis de favicon dans le. Ah, tiens, il n'y a pas de favicon sur mon site. On remarquera aussi d'ailleurs qu'il n'y a pas non plus de page 404 customisée. Alors vous me direz, la favicon, c'est pas ultra lourd. La page 404 customisée, ça pourrait être sympa à l'occasion. Mais ça, comment dire, ça sort du périmètre de ce stream, entre guillemets. Puisque l'idée c'est d'automatiser en fait la raison pour laquelle j'utilise le code de anotherhomepage.org, hein. C'est techniquement ça, hein. La raison pour laquelle j'utilise le code du site, c'est tout simplement parce que ça me fait un site web statique avec un minimum de présentation. Voilà, il y a une petite image, il y a deux, trois bricoles. C'est visuel. C'est visuel et en plus ce qui est sympa c'est que ça fait un exemple où j'ai un repo Git à récupérer. Donc je trouve ça plutôt didactique en fait. Je pourrais même pousser le bouchon un peu plus loin. Alors pour le moment le repo est pas public. Faudrait que je vois un jour si je peux pas essayer de nettoyer un peu ce repo pour le rendre public. Mais en gros aujourd'hui mon blog lui aussi est en HTML statique. Mais en fait, c'est de l'HTML. Alors, c'est pas de l'HTML statique. Enfin, si, le blog est en HTML statique, mais en fait, c'est généré à partir d'un générateur de code. J'utilise Pelican comme CMS statique. Et donc, bah, j'ai un repo avec tout mon code Pelican. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément une super idée. Que je fasse un truc Ansible pour directement sur un serveur web installer Pelican pour déployer le blog. J'aurais plutôt tendance à vouloir lancer un truc à distance. Sur ce point-là, je suis tenté de dire. Je suis tenté de dire qu'on a quasiment fini. Il faudrait juste que j'enlève du coup le notify.
Hop. Et puis je vais effacer le handler. À la limite, hop. Limite même en fait, ouais, je l'effacerai. Je vais l'effacer en fait. Dans l'immédiat, j'en ai pas besoin. C'est bizarre que je pensais que le Galaxy, ces trucs-là avaient été. Bon, on fera peut-être que je les mette dans le Geekignore. Hop. Et du coup, ce qu'on va faire. Hop là, git commit. Alors pour le coup, je me demande si c'est pas très malin ce que j'ai fait. Parce que là, du coup, c'est un commit, ce sera pas un commit atomique, quoi. Hop là. Non, non plus. Donc, on a fixé SELinux et on a fait des loops. Et on a ajouté un error log. Ok. Ensuite, switch, switch, j'ai fixé les contextes. Non, c'est des labels. Hop. For log files. Et puis et puis add error log. Voilà. Bon, ça aurait dû être plusieurs commits en fait. Hein. Hop. Bien, 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 bien. Il est 10h moins 5 quasiment. Écoutez, on va peut-être pas commencer un autre truc parce que c'est un coup à finir. C'est un coup à finir tard, ça. Même le clavier, il veut plus. Voilà, le clavier, il veut plus. Hop. Si, hop, le clavier, il est... Bon, le clavier, il en avait marre, en fait. Mais... Alors là, il va me dire, j'ai des trucs. C'est moche quand même de refaire un git reset moins hard. Merci beaucoup pour le follow, Nouben. Merci à toi, c'est très gentil. Hop. Ouais, je pense que si, allez, il reste 5 minutes, je vais faire le git ignore. Je vais faire le git ignore parce que honnêtement, collections, machin, ça devient un peu. Hop, allez.
Alors. Alors, on veut ignorer les collections. Ansible slash hop collections. Ensuite. Ensuite, Galaxy Cache. Et Galaxy Token. Éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un SCP du point gitignore vers. Alors, on va faire dans l'autre sens. Alors. Point slash point gitignore. Et on va aller bon, envoyer ça vers. Hop. Voilà. Et là, si je fais un git status, il va me dire. Ah, j'ai pas que le git ignore. Alors, on va essayer de le corriger correctement. Ah oui, parce que. Zut, c'était pas au bon endroit. Oui, je l'overwrite. Git status. Voilà, juste le git ignore. Ok, nickel. Donc. Nickel, voilà. Comme ça au moins on est tranquille. Là, là on est propre, en plus, voilà. Fin de stream, plus rien à comité. C'est pas mal ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Je suis content quand, quand ça se passe pas trop mal comme ça. Si on revient ici, donc essentiellement on a travaillé sur cette machine là. Mais on a quand même nos histoires de DNS dont j'avais parlé en début de stream. Ça pourrait être intéressant de les faire en... comment dire... la semaine prochaine. Sachant que ensuite on pourra aussi s'occuper de la partie base. C'est-à-dire en gros un rôle que je veux ajouter sur toutes les machines quand je déploie. Comme ça genre je mets mon petit confort partout quoi. Classique. Bien, 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 bien. Bon, bah, on va... hop. Ça va être le moment de finir. Faut vraiment que je corrige encore cette histoire avec le chat. Parce que là, du coup, le chat vient de s'effacer. Enfin, vous avez encore les comment dire, les messages si vous regardez le chat Twitch. Mais pour celles et ceux qui regardent juste la vidéo, genre le petit message de The Tourist en mode « Cette bourde, c'est facile à voir quand c'est pas toi qui code, mais facile à faire quand c'est toi qui code. » qui est quand même assez sympa comme phrase, que j'aime beaucoup. Puis le follow de Nouben, enfin voilà. Ça aurait été pas mal que ça reste affiché. Le petit chat est mort, oui, effectivement.
Voilà, merci d'ailleurs de le faire revivre à Haribo. Bien. Avant d'enchaîner sur le traditionnel raid du jeudi soir vers Rancune. C'est le chat de Schrödinger, je pense. Il est à la fois mort et vivant. Parce que là, si je change à nouveau de scène, il va être à nouveau effacé. C'est parce qu'en fait, je l'ai mis deux fois. Je l'ai mis deux fois pour. Parce qu'en fait, il n'a pas tout à fait la même taille entre sur cette scène-là et sur la scène où je suis avec le code. Il faudrait que j'analyse ça un petit peu plus et que je change la manière dont c'est fait. Donc, avant notre raid traditionnel du jeudi soir. Je t'ai grillé sur Schrödinger. Magnifique, magnifique, magnifique. Les grands esprits se rencontrent. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce live. Moi, ça m'a bien fait plaisir. Ça m'a bien fait plaisir parce que, bah, comme d'habitude, c'est une progression. C'est une progression. C'est une progression en plus qui est, comment dire, qui est faite à plusieurs, hein, avec les contributions de Haribo, de The Tourist, de Maïdoum.fr aussi, de Louapage, je crois, entre autres, qui est passé dans le coin. Et j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez voir la suite, bah c'est très simple. J'ai envie de dire même heure, même chaîne, hein? C'est-à-dire les jeudis soirs de 20h à 22h. Mais je stream aussi à d'autres moments. Je stream les dimanches de 18h à 20h. Alors, on avait une. J'ai envie de dire, c'était un peu les streams de la loose ces derniers temps, les streams du dimanche, parce que j'essayais de faire des trucs avec Kubernetes. Ça marchait pas des masses. Alors, je sais que j'envisageais de faire d'autres trucs encore avec Kubernetes, en espérant que ça marche. Je suis en train de me demander si je vais pas faire autre chose, histoire de me vider un peu la tête. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire du coup dimanche. Mais ce sera de 18h à 20h. Vous n'êtes pas à l'abri d'un stream exceptionnel, une fois de temps en temps. Je dis pas que ça va arriver cette semaine, je dis juste, ça peut arriver de temps en temps. Donc le mieux à faire pour ça, eh ben, c'est comme l'a fait Nouben, comme l'a fait Tmon3D ou Louapage ce soir, bah, c'est tout simplement de follow la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et sur le serveur Discord, dont tout est indiqué là-dedans. Et vous pouvez faire point d'exclamation socials d'ailleurs, où vous retrouvez bah, justement l'adresse vers ma page perso, vers donc anotherhomepage.org, où vous avez tous les liens vers bah, notamment ma chaîne YouTube, le compte Twitter, le compte Instagram, le lien vers le serveur Discord, tout. Même Mastodon, si jamais vous le souhaitez. Bien entendu, il y a des replays pendant 2 semaines. Je sais que je suis en retard pour les uploads sur la chaîne YouTube. Mais justement, je pense que ce week-end, j'aurai un peu de temps pour faire les uploads de quelques épisodes. Oui, même Mastodon. Même Mastodon. Malheureusement, pour le moment, mon compte Mastodon est beaucoup moins vivant que mon compte Twitter parce que j'ai pas mis en place de cross-post. Et du coup, j'ai tendance à plus tweeter que touter. Je sais pas si on peut dire touter quand on dit mastodon. Bref. Voilou. Donc, on va en rester là pour ce soir et on va aller faire une petite visite à ce bon vieux Rancune s'il est toujours là. Oui, il est toujours là. Ils sont 36, donc on va aller les voir. Ah, on dit pouetter, oui, c'est vrai, pouetter. Je l'avais oublié, mais je crois que je l'avais su. Bah, merci beaucoup, Haribo. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain ou jeudi prochain, selon votre préférence, voire même les deux, si ça vous amuse. Et puis sinon, bah, de toute façon, à bientôt. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à toi aussi, The Tourist. Allez. Oh, t'inquiète pas, Neo Yaya, tu vas passer un bon moment chez Rancune, et puis t'auras le replay que tu pourras regarder sinon.
T'inquiète. Hop, allez, c'est parti. Je passe le stream en fini et je lance le raid. Ciao, ciao!